Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de tuto, mais par contre, je vais vous proposer et vous présenter mon album Alice au pays des merveilles. Voilà, donc ça, c'est la couverture. Là, j'ai mis en 3D. Après, ensuite, par-dessus, je suis venue vernir ces trois petits euh, objets. Là, j'ai mis des petites cartes. Voilà. Donc, voilà. Et euh, comme ce papier était très très joli, je l'ai acheté chez Stamperia. Voilà, c'est ça que je ne connaissais pas. Et euh, ben voilà ce qui me reste de tous les papiers. J'ai tout utilisé. Voilà. C'est tout ce qui me reste. Je ne voulais vraiment pas en perdre parce que c'était magnifique. Aussi bien recto-verso, les couvertures, tout, je m'en suis servi. Et euh, franchement, je me suis bien amusée. Et. Euh, du coup, ça m'a permis de m'évader un petit peu et de me sortir un petit peu de ma maladie. Voilà. Donc, je vous présente. Donc là, c'est la couverture. Donc là, j'ai mis un petit... Euh, pour pouvoir ouvrir. Je ne l'ai pas fermé, je l'ai laissé comme ça. Sur la bande, euh, j'ai juste, en fait, mis des petites cartes avec un papier que sur le côté, j'ai ancré. Et ensuite après alors derrière vous savez que j'aime beaucoup le déco patch. et bien tous les petits morceaux de papier qui restaient en fait je les ai déchirés et j'ai fait comme avec le déco patch, en fait j'ai mis de la colle euh, en dessous j'ai mis de la colle par dessus la colle vernie déco patch alors je vais vous montrer c'est celle là je m'en suis servie avec le papier aussi. Donc on peut s'en servir aussi bien avec les papiers patch. Moi je m'en suis avec, servi avec le papier. Et du coup je suis venue coller et déchirer tous mes petits bouts de papier. Il y en a certains que j'ai ancré. J'ai mis Alice ici en 3D. J'ai mis un petit euh, embellissement ici en couleur cuivre. Et puis j'ai mis mon petit papier de livre euh, comme je fais d'habitude quand je fais euh, des choses. Voilà. Donc je vais vous le présenter. Je vais vous l'ouvrir. Et comme ça, vous allez pouvoir le découvrir. Voilà. Alors, donc là, c'est la première page. Sur cette page-là, alors j'ai fait un 3D qui est fermé par un aimant. Hop. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. J'ai fait avec des petites cartes postales, avec Alice, avec euh, la méchante reine, euh, le chat. Voilà, donc ça c'est le 3D. Ensuite, après ici, j'ai voulu faire euh, comme quand on était petit. En fait, on n'avait pas tout ce qui était modernisme maintenant. Donc là, j'ai mis un aimant en dessous et j'ai mis une petite languette. Et hop, quand on tire, je ne sais pas si vous allez voir, il y a les petits personnages. Ah, ça gêne. Les petits personnages et les petites cartes qui passent. J'ai voulu vraiment le faire. Euh, à l'ancienne, quand on faisait les petites marionnettes. Voilà. Donc ça, c'est la première page. Et puis là, j'ai mis un embellissement, en fait, euh, euh, petit gâteau. Donc on tourne la page. Alors ici, donc là, il me restait un morceau de papier, donc j'ai fait une petite, euh, une petite cocarde. Là, j'ai mis une petite pochette. Là, toutes les cartes, je les ai, la, les, toutes les cartes, pardon, je les ai gardées telles quelles. Hein. Je les ai pas, euh, je les ai pas configurées. Hop. Ensuite, après, il me restait un petit morceau de papier. Je suis venue poser des petits cristaux dessus et ça me fait une petite carte pour mettre une photo. Voilà. Ensuite, après, ici, pareil, il me restait des petits morceaux de papier. Donc, du coup, j'en ai collé un petit peu partout. Et puis, j'ai fait une petite déco sur un papier rouge. Et puis, je suis venue mettre le petit euh, marque-page. Voilà. Ensuite après l'autre page, alors là ben, j'ai fait une, euh, une cascade, voilà, avec des images aussi que j'ai été chercher sur, euh, sur internet, et, internet, pardon, et là je suis venue plastifier euh, les deux petites cartes et puis la, la carte qui est en bas qui fait marcher le mécanisme en fait. Voilà. Ensuite après ici, donc j'ai fait une première pochette pour mettre une carte. Ensuite après ici, j'ai mis des petites cartes qui tournent alors qu'on met en éventail. Voilà. Là, vous avez une carte qui s'ouvre et là, vous avez un petit mécanisme en fait avec des petites cartes qui s'ouvrent. Voilà. Je trouve ça super sympa. Pas voulu non plus aller dans l'extrémité, voilà, et puis donc ça ferme avec la petite carte. Ensuite, après ici, alors là je me suis creusé un petit peu la tête, pareil, je suis venue mettre du vernis, euh, du vernis colle. Je sais pas si vous voyez ce que ça rend, ça vieillit un peu en fait la page, et puis euh, ça fait un petit effet brillant avec des petites reliures dessus. Et là, quand on tire sur la, sur la ficelle, eh bien, il y a des petites cartes qui sortent. Voilà. Donc, c'est un petit mécanisme. Si vous le voulez, vous me le dites en, en message et puis je vous expliquerai comment le faire. Voilà, avec la petite clé. Donc, ensuite, après, ici, je suis venue fermer juste avec une petite bande et avec un petit scratch. Voilà. Là, il y a une première carte. J'en ai mis une deuxième. Ici, il y en a une autre où on peut coller des photos. Et là, pareil, derrière, j'ai caché la petite, euh, la petite horloge. Et je suis venue. Alors, il est coincé. Je ne sais pas pourquoi il est coincé comme ça. Non, tant pis. Je suis venue en fait, ah bah oui mais non c'est moi qui l'ai collé, voilà, ça a encore les effets du médicament. Je suis venue faire une guirlande de petites tasses qui étaient cachées dans, le... dans la petite partie ici et profite de cette journée parce que franchement les journées où j'ai fait ce... cet album, et eh ben merci Stamperia parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Quand on est malade, quand on a une maladie, et eh ben en fait on essaye de s'échapper en faisant des choses. Et là je ne connaissais pas du tout Stamperia. Je ne connaissais pas du tout non plus. J'ai découvert le papier Alice au Pays des Merveilles et j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, donc merci. Hop, donc on ferme. Ensuite, après euh, là, je suis venue mettre encore des petites cartes ici j'ai mis une petite euh, carte ici et puis en fait j'ai remis une petite pochette ici, j'ai remis une carte et puis j'ai mis un petit embellissement euh, sur la petite théière. Et puis donc ici ça se ferme, ici c'est en 3D, ça se ferme ici et là vous venez défaire en fait les cartes. Voilà, ce qui m'en restait, je voulais pas non plus les jeter. Donc, je les ai mis comme ça et je les ai fait fermer par une petite taillère que l'on passe derrière. Voilà, donc, je rangerai tout ça après, ensuite, après, ici, donc je suis venue mettre une carte de ce sens là où on peut mettre une photo. J'en ai mis une dans l'autre sens où on peut mettre une photo aussi. Alors, ici, je suis venue faire euh, une toute petite pochette, ou quand on tire sur la pochette. On a un tout petit euh, carnet avec des cartes qui se défont, voilà, un peu dans tous les sens, où on peut mettre des petites photos également. Voilà. Donc ça, je suis venue le mettre dans une petite pochette sur le côté. Voilà. Ici. Ensuite après ici je suis venue euh, j'ai ancré un petit peu autour et puis j'ai mis un, un 3D derrière et là il me restait une petite carte et en fait j'avais des petites sucettes qui sont super genre, super mignonnes donc du coup je les ai mis dessus et derrière on peut mettre une petite photo voilà alors ici j'ai été très simple parce qu'en fait le papier me plaisait beaucoup donc là j'ai remis une petite euh, une petite euh, pochette, mais en fait qui n'est pas fermée en bas avec une petite fleur 3D. Et puis là, du coup, je suis venue mettre la carte. Mais j'ai fait tout simple parce que franchement, cette carte, euh, elle me plaît beaucoup. Elle est magnifique. Et je voulais pas la coller. Je voulais pas la changer. Donc du coup, derrière, on peut mettre une petite photo de famille. Parce que je trouve que c'est... Euh... Ah, je ne vous ai pas montré, il manque une page. Allez, où cette page Je vais les appais. Il manque la page du repas. En fait, euh, je ne sais pas où elle est. Elle est là, voilà. Alors la page du repas, voilà, je l'avais zappée. Euh, je l'ai coupée en deux. J'ai fait de façon à ce que ça se rejoigne ici. Là, je voulais pas non plus euh, abîmer cette page parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. Donc là, je suis venue mettre une toute petite bande. Et puis j'ai mis des petites cartes que l'on peut euh, où on peut jouer avec en fait voilà qui se glissent et puis là les petits j'ai fait une petite pochette cachée derrière et j'ai mis les petits euh, des petits pompons de couleur euh, sur les euh, sur les petits euh, les petites cartes voilà là j'ai fait tout simple et je voulais un peu de couleur donc du coup je suis venue mettre des petits pompons j'avais zappé cette page je suis désolée. Donc, du coup, on arrive à la fin. Donc, là, celle-ci, je vous l'ai montrée. Et puis, donc, du coup, la dernière page, alors, j'ai fait comme je fais avec euh, mes... Quand je fais mes livres, en fait, là, je suis venue faire la même chose avec le papier. Et puis là, j'ai gardé la carte du chat entière. Je suis venue cacher une petite pochette derrière. Là, j'ai encore caché une petite pochette ici. Je suis venue mettre un marque-page. Et puis là, j'ai mis en 3D une tasse avec une sous-tasse. Il y a encore un petit papier. Et puis, je suis venue mettre le petit papier couleur cuivre. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà ça fait en fait euh, le thé qui tombe dans la tasse et je suis venue en créer euh, la tasse à l'intérieur et là j'ai mis un petit peu de, de perles et j'ai mis un embellissement ici voilà et je trouve que ça fait euh, je trouve ça sympa je trouve ça joli voilà ça fait le thé qui tourne dans la tasse voilà et puis donc ensuite après à l'arrière je remettrai après. Et l'arrière, bah, comme je vous disais, je voulais pas euh, mettre les papiers en fait à la poubelle. Donc vous faites comme du déco-patch. Le déco-patch, c'est des papiers qui sont très très fins, que vous collez. Je vais vous montrer, j'ai fait, fait des meubles avec, je mettrai des photos. Et, euh, et vous venez les coller, vous les déchirez, vous pouvez en créer où il y a des petits morceaux blancs. Et vous collez au fur et à mesure. Et ensuite, après, vous prenez cette colle-là voilà la colle déco patch paper patch et elle vernit en même temps par contre elle sèche très vite donc faut aller très vite et euh, sur ces papiers là il faut en mettre un peu plus parce que ça boit et, euh, et je trouve ça super sympa au moins ça utilise tous les papiers et on' n'a pas de... il nous reste pas de beaucoup de papier et on n'a pas de papier qui vont à la poubelle parce que ce papier est magnifique donc voilà donc ça c'était mon petit euh... Album photo Alice au pays des merveilles. Euh, voilà, j'ai passé euh, trois jours dessus. Euh, les reliures sont peut-être pas top, top, mais bon, il y a des moments où je vois pas très clair avec les médicaments. Mais euh, je suis très contente de moi et je dis encore une fois merci à Stamperia parce que ça m'a fait passer trois jours où vraiment, vraiment euh, j'étais détendue et voilà. Et on pense pas à la maladie. Donc, si vous voulez des petits euh, tutos sur quoi que ce soit, vous me le dites. Et puis euh, je vous ferai un petit tuto sur. Alors je vous dis pas sur tout le livre parce que ça me prendra trop de temps et moi je peux pas. Par exemple, genre pour ce petite chose là, je peux vous faire un tuto pour cette petite carte là euh, parce que c'est pas très long et je pourrais vous montrer comment on fait. Euh, donc voilà, si vous voulez un tuto sur celui-là, je veux bien vous le faire. Vous me le dites et puis je vous le fais. Et puis, s'il y a d'autres choses où vous voulez des tutos, ben, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Si vous voulez un tuto pour le, comment que ça s'appelle? Pour le, pour le déco-patch, ben, je peux, je peux vous faire un tuto sur un déco-patch parce que je fais beaucoup de choses aussi au déco-patch. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous. Merci à Stamperia pour ces magnifiques papiers. Je vais essayer de voir s'il y en a d'autres pour pouvoir faire des albums, euh, voilà, qui ont au moins, euh, un sujet euh, sur lequel je peux partir et voilà que ça me ça me creuse pas trop en fait la tête. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Likez et mettez un petit pouce et puis abonnez-vous. Merci.